Ça vous a fatigué, hein? Oui. On va poser les trottinettes à droite. Ouais. Bonjour. Moi, je vais faire à gauche alors. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants, bienvenue au musée de la Fiscose. Ce musée a été créé à la destruction de l'usine en 1989. Le musée il a été créé en 1992 pour mettre en valeur en fait la mémoire des ouvriers de la viscose. Alors ces ouvriers de la viscose, eh ben, ils ont été à Échirol. Ils ont fait partie de la population, de la démographie échiroloise, parce qu'en fait l'usine elle était juste derrière là, et la cité de la viscose, là où on logeait les ouvriers, était aussi juste à côté. Donc là, pour résumer, on est sur l'ancien site industriel de l'usine de la viscose. D'accord ? Donc ce musée, ben, il a été réalisé en mémoire de ce travail industriel, de ce savoir-faire industriel situé à Échirol. La région Rhône-Alpes a été le bassin de la création, de la fabrication de ce tissu qui s'appelle la viscose. Tu voulais me dire quelque chose ? En fait, l'usine, elle fabrique quoi ? Alors, elle fabrique de la viscose, et son synonyme à la viscose, c'est le fil artificiel, le fil de soie artificiel plus exactement. Donc voilà, vous avez toute l'histoire de la soie artificielle ici. Madame, oui, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Alors tu montes les escaliers et c'est en haut à droite. Ok, merci. À tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la soie artificielle a été fabriquée pour être autonome, pour que l'homme soit autonome vis-à-vis de sa fabrication de textile. Donc la viscose, donc soie artificielle, hein, c'est la même chose, a été fabriquée dans les années 1889 à peu près. Ensuite, on a décidé, les personnes ont eu l'idée de fabriquer une usine, de construire une usine pour fabriquer ce fameux fil de viscose. Nous étions à deux doigts, Rose et moi, de nous voler vers la maison. Quand soudain, elle me dit « Je ne peux pas faire du vélo avec vous, mon cher Louis. Je ne porte des nouveaux bas. » Ah, tiens, voilà mon cher Edmond. Bravo, Edmond. Enchanté, Louis Chatin. Est-ce que la route, elle était bonne? Parfaite. Je n'ai que 3h30 avec mon automobile. C'est vrai, mon cher ami. Vous possédez une Renault. Je vous ai coupé en pleine hilarité. Nous rions des tracas des dames avec leurs bas. Certes, cela nous empêche quelques sorties. Les femmes sont devenues bien farouches. Nous rions, mes chers. Mais savez-vous que les textiles prennent leur essor en Europe et aux USA? En 1926, les dames veulent du soyeux mais peu coûteux. Il est urgent de changer le cours du bas si nous voulons flirter en toute liberté. Il faudrait mettre à profit cette soie artificielle. Comment s'appelle-t-elle déjà? La viscose, mes chers, la viscose. La viscose? C'est une soie artificielle créée à partir de la cellulose de bois. Ah!
Attention, messieurs, cela demande des manipulations extrêmement dangereuses. Si je pouvais, je mettrais en place une usine, mais il faudrait trois choses. Des terrains, de l'électricité et de l'eau. Nous avons cela, très cher. Il y a le drap et le rondeau qui pourraient salir. De plus, mon cher Louis, sur la ligne droite du drac, il y a des étapes où il pourrait installer ses terrains agricoles. C'est une très bonne idée. Et pour l'électricité, nous pouvons construire une centrale hydroélectrique. Nous avons complètement la place. Le seul problème, c'est le personnel. La guerre a tué la plupart des hommes. Fichu bien. Et si? Non, c'est stupide. Quelle drôle d'idée vient de vous agiter, mon cher Louis. Je pensais qu'on pourrait prendre des hommes là où il y en a. Mais que dirait-il si on les arrachait de leur famille? Et si on les emmenait avec leur famille? Il est vrai que l'usine a besoin de manœuvres. Des hommes, des femmes et des adolescents. Et pour les loger? Nous construirons des lotissements. Et pour les enfants de bas âge? Nous construirons des crèches et des écoles. Messieurs, j'ai comme l'impression que nous venons de créer la SNV. La Société Nationale de la Viscose. Moi, Bogdan. Toi, Bogdan. Moi, Louisa. Je crois que nous allons être bien ici. Taxi. Nos voisines? Oui, nous voisines. Taxi. Nous avons rencontré des abeilles empiévrées, des cigales attirées, des arbres poussés tôt. Nous avons rencontré des pâtes aux robes de bure, des chèvres en fourrure et des moutons dans l'entour. Nous avons rencontré Saint-Christin et son chien, la baronne et sa bonne, le bedeau et son veau. Nous avons fait des découvertes, nous avons fait des découvertes pour le Jésus du monde dans les nids. Il nous rôme, c'est notre frère. Oh ouais, comme le dernier but, là, c'était parfait. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Marcel, ça va très bien. On a gagné au match hier. Ah oui, c'est vrai, il y avait un match hier au Stade Navis. Je n'ai pas pu venir, il y avait la récolte des pommes de terre. Et on sait ce qui se passe si tu oublies de ramasser les pommes de terre. Attends. Ton Antoinette te fait la misère pendant 2 semaines. 2 semaines? T'es gentil. On joue dans l'équipe de foot de l'usine de Hoan. Ouais. Ah ça oui, tout le monde joue les Navis. Navis. C'était fou. Ah, c'est bien de profiter d'un sympa des genres de congés. Parce qu'après, c'est le boulot. Bonjour, messieurs. Allez, assez discuter. On se concentre. Marcel, Brahma, Amandou. Hep, monsieur Brahma, vous oubliez de mettre vos gants. Oh, zut. À cause de ces satanées sulfures de carbone, j'aurais pu finir comme André. Non, Brahma, André avait oublié sa visière. Vous avez oublié vos gants. Ce n'est pas pareil.
Vous n'auriez pas pu devenir aveugle sans vos gants, monsieur Bravia. Allons. Par contre, brûler au troisième degré, ça oui. La perte de l'usage de vos mains, ça oui. Et dans la panique, faire exploser toute votre unité, ça oui. Donc on met ses gants, monsieur Bravia, c'est compris? Oui, monsieur. Et Fusaro, vous n'avez pas votre pince-nez aujourd'hui? Si, si, monsieur. Je ne peux plus m'en passer. L'odeur de ce satané œuf pourri me dégoûte. Si ça continue, vous allez finir à la planque avec les femmes, Fusaro. C'est mon Antoinette, ma tendresse, s'est moquée du travail des femmes. Je crois que ce serait pire que de l'acide sur sa joue. Giuseppa a les yeux tellement fatigués à force de regarder Sophie Blanc toute la journée, sur ses gâteaux blancs, dans cette lumière blanche. Et le bruit de machine, sans cesse, ma Fatia n'en peut plus. La flanque, c'est un ficherie. Allez au travail! Les gars, et si on travaille vite et bien, on aura le droit à la prime. Oh, viscosier un jour, viscosier toujours! Allez, j'active le chronomètre dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant! Thank you.
la visite. J'espère que ça vous a plu. Oui, oui, c'est trop bien. Ah, je suis contente. Super. Vous revenez quand vous voulez. Ouais, ok. Ben, à bientôt. Allez, merci. À bientôt. Allez, on y va tout le monde avec plein de trottinettes. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Ah, c'était trop bien. J'ai adoré quand on a touché. Oh, t'as vu, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, Adem, elle était bien cette visite. Mais non, c'était un truc de ouf. Bref. Ouais, on y va. C'était super cool. Mais non, c'était un truc de ouf. Ouais.